Merci de nous recevoir chez vous. La direction de communication et de l'information de la présidence de la République accompagne les efforts du gouvernement et du colonel Mamadi Doumbouya qui a décidé de faire de la transition une occasion ultime pour la République de Guinée de repartir sur de nouvelles bases. Et ce soir, nous sommes à l'université de Nzérékoré. Cette étape constitue donc l'entame d'une série d'émissions avec les étudiants. Nous donnons la parole aux étudiants pour qu'ils comprennent ce qui se passe dans ce pays, quelles peuvent être aussi leurs partitions dans cette campagne de refondation de l'État guinéen. Ce soir, les thèmes principaux de cette première étape de l'émission qui s'appellera désormais le dossier de la semaine, nous sommes avec deux ministres de la République. Il s'agit des ministres, le chef de la diplomatie guinéenne, Dr Maurice Anda Kouyaté, et le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, M. Mori Kondé. Nous parlerons des enjeux diplomatiques de la transition guinéenne, de l'immigration, et aussi nous reviendrons avec le ministre Mori Kondé sur les étapes des 36 mois. Vous le savez déjà avec le Conseil national de la transition, 36 mois ont été définis pour permettre au CNRD, sous la direction du colonel Mamadi Doumbouya, de préparer le retour à l'ordre constitutionnel. Durant les 36 mois, qu'est-ce qui va être fait? Quelles sont les différentes activités à mener pour permettre à la Guinée de repartir sur de nouvelles bases et éviter au pays d'une éventuelle transition comme on l'a vécu ces 10 dernières années? Merci donc à la direction de l'université de Nzérékoré. Merci à ces braves étudiants. Merci de nous recevoir. Vous êtes dans l'émission Les dossiers de la semaine. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, vous êtes en face des étudiants de l'université de Nzérékoré. La première question ou le premier thème que nous abordons, ce sont les enjeux diplomatiques de la transition guinéenne. Pour ceux qui suivent les médias, depuis le 5 septembre 2021, la Guinée continue sa marche glorieuse vers dans le concert des nations. Vous le savez, la Guinée a toujours été cet exemple d'intégration africaine. La Guinée est toujours au rendez-vous de grands événements à travers le monde. Le 5 septembre n'a pas du tout arrêté cet élan, et cela grâce au colonel Mamadi Doumbouya qui donne des orientations au ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Anda Kouyaté. Dites-nous, quelle a été la première activité juste après votre nomination à la tête de ce département pour que la Guinée reste dans ce concert des nations? Avant de tomber dans la description de ce qui se fait dans la transition, il est important, et ceci me semble être le béaba de tout le travail, pourquoi il y a eu le 5 septembre. Il y a maintenant une question qui se sont posées. Est-ce que la Guinée mérite ce qu'elle est en train de devenir, ce qu'elle est aujourd'hui, le 5 septembre? Non. Non, elle ne mérite pas ça. Donc, ils se sont dit, nous allons mettre fin à toute cette gabégie, cette prévarication, l'injustice, la confiscation des biens du pays par une petite poignée de personnes. Nous allons mettre fin à ça. Et ils ont ouvert une transition. C'est là. La transition, ça veut dire que on se met dans une période d'exception pendant laquelle on décide de ce que doit devenir le pays. Mais, comme je l'ai dit, les institutions internationales auxquelles nous appartenons, qui ont fait de leur mieux, je peux dire comme ça, mais pour nous, elles n'ont pas fait plus. Il fallait aller plus. Mais elles ne l'ont pas fait. Mais dès que la transition a été ouverte, les mêmes institutions sont revenues pour dire, voilà, chez nous, quand vous changez comme ça, voilà ce qu'on fait. Case numéro 1, on vous interdit de voyage. Case numéro 1, on coche ça. Case numéro 2, voilà, on vous suspend de notre organisation. Case numéro 3, ils ont coché des cases. Et donc, pour nous, on trouvait ça un peu bizarre. Mais on l'a accepté. Et la mission que le président a confiée au ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine,
et des Guinéens de l'étranger, c'était de dire, on nous sanctionne à tort, on nous suspend à tort. Allez expliquer que notre cas est unique. Un. Deuxièmement, n'acceptez pas que les portes soient fermées. Voilà la mission que le président m'a donnée avec son premier ministre. C'était ça mon rôle. Pour faire ça, il y a une seule chose qu'il faut. Et ça, c'est une leçon que je vous donne à vous, les étudiants. Si vous n'êtes pas convaincu de ce que vous voulez faire, ne cherchez pas à le faire. N'essayez pas. Parce que non seulement vous ne pourrez pas, mais deuxièmement, ça se saura. On saura que vous n'avez pas l'intention de le faire, que vous essayez. À un niveau aussi élevé que les postes ministériels, les gens regardent d'en bas. Donc ils voient tout. Donc la première des choses, c'était ça. Se convaincre que la Guinée ne méritait pas d'être sanctionnée. Un. Deuxièmement, le laboureur, le paysan qui est à Gbaya, qui est à Bounouma, qui est à Galapaï, il se réveille le matin, il écoute RFI, il écoute BBC, on lui dit, votre pays est fermé, personne ne doit rentrer, vous êtes isolé, vous n'avez plus rien, vous n'aurez absolument rien. Il est complètement désorienté. Alors, le rôle du ministère des Affaires étrangères, c'est que quand RFI dit ça, le matin, le soir, quand ce paysan de Galapaï vient s'asseoir devant sa télévision, qu'il voit venir l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, qu'il voit venir l'ambassadeur de France, qu'il voit venir l'ambassadeur du Niger, qu'il voit venir l'ambassadeur de Corée. Il se dit, mais attendez, on m'a dit que c'était fermé, mais ce n'est pas fermé. Donc, il a d'abord une confiance en lui-même. Il sent que la Guinée n'est pas isolée. Je vous assure que la Guinée n'est pas isolée. Avant le changement du 5 septembre, l'ambassadeur des États-Unis qui était à Conakry est décédé, paix à son âme. Et la Guinée avait fait presque 3 ans sans ambassadeur. On était au niveau chargé d'affaires. Chargé d'affaires, c'est un petit ambassadeur. Il n'a pas le rang d'ambassadeur, mais il liquide les affaires courantes. La Guinée était avec ça, avec l'ambassade des États-Unis. La première des choses, c'était, convainc ou pas, les États-Unis, la Russie, la Chine sont les locomotives du monde. La première des choses que j'ai voulu faire, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait au moins l'ambassadeur des États-Unis en Guinée pour qu'on sache qu'on n'est pas isolé. Et pour qu'il y ait un ambassadeur américain, le président Biden ne se lève pas comme ça pour prendre un décret. Il prend le décret, mais avant de prendre le décret, il propose le nom de l'ambassadeur qui va en Guinée au Congrès des deux chambres. Il discute de son CV, de son profil, et il voit s'il doit aller dans ce pays ou pas. Et donc, ça a été discuté. Nous avons passé ce cap, la Guinée a passé ce cap, il a été accepté d'envoyer un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis en Guinée, et il est venu sous la transition. Il n'est pas venu pendant le régime passé. Donc c'était une marque de confiance. Et vous avez vu les ambassadeurs, parce que beaucoup disent, nous ne sommes pas reconnus, c'est une junte, on ne la reconnaît pas, et ceci. Mais quand les ambassadeurs viennent, vous voyez ce qu'ils disent, vous entendez. Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l'État, Chef suprême des armées, je vous présente les lettres de créance par lesquelles mon président tel m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. C'est déjà de fait une reconnaissance du pays et du président du pays. Et depuis, nous avons eu plus de 12 ambassadeurs qui sont arrivés. L'ambassadeur du Brésil est arrivé. L'ambassadeur de Corée est arrivé.
L'ambassadeur du Rwanda est arrivé. L'ambassadeur du Sri Lanka est arrivé. J'en passe, vous pouvez voir. Ils sont tous venus. Et alors qu'il est, l'ambassadeur du Vietnam demande à venir. L'ambassadeur d'Autriche demande à tout le monde veut venir en Guinée. Parce que simplement, il y a une chose que vous devez savoir. La Guinée a besoin du monde, mais le monde a besoin de la Guinée. Si vous oubliez que le monde a besoin de vous, vous serez un esclave. Surtout les Guinéens. À ma prise de fonction, je l'ai dit, les journalistes n'étaient pas contents. Ils ont dit, il a dit que nous sommes souverains, que nous devons être respectés. Ce n'est pas un crime de dire que le pays doit être respecté. Qu'à cela ne tienne. Le jour où il y a eu le changement en Guinée, le 5 septembre, le prix de l'aluminium a grimpé en flèche dans le monde entier. L'aluminium, dans les bourses. Parce que la Guinée est le deuxième producteur de bauxite dans le monde. C'est-à-dire, tout l'aluminium que vous voyez aux États-Unis, en France, en Autriche, en Afrique du Sud, cet aluminium-là, la Guinée en est le deuxième producteur dans le monde, après la Chine. La Guinée est ouverte. La Guinée tend la main à tout le monde. Mais on tend une main fraternelle, une main de coopération, une main de dignité devant le monde entier. Et c'est l'engagement que je fais passer au nom du président. Bien, c'est qu'il y a eu cette victoire diplomatique. Au-delà, avec les partenaires au développement, je pense aussi que c'est un autre champ de bataille dans lequel la Guinée a eu à remporter d'importantes victoires. Vous avez vu, tout se passe de façon transparente. J'attire votre attention sur le fait que c'est la première fois en Guinée qu'on se réveille le matin, on écoute la radio, on entend quel est le budget de la Guinée et qu'est-ce qu'on en fait. Ça ne vous a pas échappé, ça. Le matin, vous vous réveillez, on vous dit, voilà, le budget de la Guinée, c'est ça. Ce qui vient de notre poche, de nos richesses, c'est tel montant. Ce que nous demandons de l'extérieur, c'est tel montant. Et voilà comment on a réparti par ministère. C'est la première fois. Donc, les ambassadeurs ne viennent pas seulement pour dire bonjour. Quand ils viennent, l'ambassadeur des États-Unis, j'ai pris l'exemple sur lui, il est venu, il a mis sur la table 23 millions de dollars tout de suite. La Banque mondiale, le Fonds monétaire, qui sont toujours prêts à serrer les vis, sont venus, ils ont mis 1 milliard de dollars sur la table. Les DTS, c'est-à-dire des fonds qu'on ne pouvait même pas recevoir quand on est en régime normal. On les a. Parce que simplement, le sérieux est là. Le président a montré qu'on ne vole plus. Le président a montré qu'il n'y a plus de corruption, qu'il lutte contre ça. C'est ça qui fait venir l'argent. Hein. C'est ça qui vient. Ce sont donc là quelques victoires que le CNRD a remportées dans ses efforts de refondation de l'État guinéen. Sûrement que cette émission, c'est une émission qui donne la parole aux étudiants. Tout de suite, vous aurez certainement des questions sur les relations entre la Guinée et la CEDEAO, les relations entre la Guinée et l'Union africaine, pourquoi pas les Nations unies. Je viens au ministre Mori Kondé et vous avez suivi tout le processus. Il a été question d'écouter les Guinéens. Un premier départ, c'était au Palais des Nations lors des concertations nationales. Le président du CNRD, juste à la prise du pouvoir, 10 jours après, il s'est mis à l'écoute du peuple de Guinée. Ce qui a été donné comme orientation ont servi de base pour faire ce que nous avons eu comme remplaçant de la Constitution, la charte. La charte est élaborée, le président a prêté serment et la marche continue. Il y a eu aussi ces assises nationales qui ont permis, qui ont donné la parole à tous les Guinéens de se prononcer. Je ne vais pas marcher sur la langue de monsieur le ministre de l'administration du territoire. Lui, il va aborder, puisque déjà les 36 mois sont fixés pour la transition. Nous voulons savoir, monsieur le ministre, avant de fixer les 36 mois, est-ce qu'il y a eu d'autres étapes importantes? Merci beaucoup, monsieur Assoumane Toumani Camara. Merci à l'Université des Érékorés. Comme Assoumane le disait, nous sommes dans une période de transition qui s'est ouverte depuis le 5 septembre. Et quoi que nous allons faire, quoi que nous allons dire, l'objectif principal de cette transition, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Nous sommes arrivés à l'intervention de l'armée le 5 septembre, parce que c'est parce qu'il y avait
un vide juridique dans le pays. Et c'est pourquoi, quand on prend le CNRD, le Comité national de rassemblement pour le développement, et le R qui est dedans, nous avons élaboré les valeurs du CNRD autour de ces R qui est au niveau de 5. Et là-dedans, vous avez la refondation et la rectification institutionnelle. Cette rectification, il vous souviendra que le 22 mars 2020, l'ancien président Alpha Condé avait appelé les peuples de Guinée aux urnes pour élire les députés, mais également pour changer la constitution. Mais bien avant, au mois de février, le projet de nouvelle constitution qu'il avait envoyé à l'Assemblée nationale et qui était l'avant-projet qui a été diffusé à tout le peuple de Guinée, le 22 mars, il a invité le peuple de Guinée à voter oui ou non sur cette constitution. Et le 8 avril, il a promulgué cette constitution. Mais lorsque vous regardez, la constitution qui a été donnée au peuple de Guinée comme avant-projet pour lire afin d'aller aux élections du 22 mars était différente de la constitution que Alpha Condé a fait soumettre le 22 mars pour que le peuple de Guinée puisse se prononcer. Et cette constitution aussi était différente de celle qui a été promulguée par lui-même le 8 septembre. Donc, la constitution qui a été présentée au peuple de Guinée qui devait faire l'objet de vote est différente de celle qui a été votée le 22 mars et différente de celle qui a été promulguée. Et lorsque vous imprimez les trois constitutions, vous remarquerez qu'il y a plusieurs articles qui ont été tripatouillés. L'avant-projet de la nouvelle constitution qui avait donné au peuple de Guinée, comme il s'est rendu compte dans sa gouvernance que le peuple de Guinée avait un soif en termes de répartition des pouvoirs au niveau de l'exécutif, il y a un poste de vice-président qui avait été créé dans cette constitution, la première version. Mais vous remarquerez que la constitution qui a été promulguée le 8 avril, ça n'existait plus. Donc c'est un exemple pour dire qu'il y avait un vide juridique, il y avait un vide institutionnel dans le pays. Et nous avons continué au mois d'octobre, il a appelé le peuple de Guinée pour se faire élire pour un troisième mandat ou, selon lui, un premier mandat de la 4e République, peu importe l'appellation. Mais il se trouve que ce sont les dispositions du code électoral qui est antérieur à la Constitution qu'il a fait appliquer pour se faire élire. Mais mieux, ce code électoral là disait que pour être candidat aux élections, il fallait passer par un système de parrainage avec des signatures. Pour s'arranger avec la Cour constitutionnelle afin de pouvoir aller vers les élections rapidement, la Cour constitutionnelle a fermé les yeux sur cette disposition de nos lois pour permettre d'aller aux élections. Donc, non seulement les députés qui étaient là ont été élus sur la base de lois qui étaient presque inexistantes, mais également, Alpha Condé s'est fait réélire sur la base d'un texte qui n'existait pas. C'est pourquoi, lorsque le CNRD a pris le pouvoir, le premier langage était de faire la rectification institutionnelle. Élaborer tous les textes de loi, rendre nos institutions fortes, et c'est ce chemin-là qui a été tracé. Donc, pendant ces concertations, tous les acteurs qui ont été rencontrés ont proposé dans leur mémorandum un certain nombre de choses. Mais de façon globale, la plupart ont exprimé que cette transition devait être une dernière en Guinée. Donc pour cela, ça doit être conduit avec assez de sérieux, mais aussi ça doit être conduit de telle sorte que le président qui sera élu en Guinée, après à la fin de cette transition, ne puisse pas avoir désormais la possibilité ou se donner le plaisir de manipuler les textes de loi et les institutions à son souhait. Parce que nous avons vu la Cour constitutionnelle, si elle était conséquente, on n'allait pas assister à ce tripartite de notre constitution, mais mieux, Alpha Condé n'allait pas avoir la possibilité de se représenter pour un troisième mandat ou pour un premier mandat de sa 4e République. Donc, la plupart de ceux qui ont amené les mémorandums l'ont fait cas. D'autres choses, tirant les leçons des transitions de 2009 et de 2010, mais aussi dans d'autres pays, la plupart des mémorandums nous ont fait comprendre que le peuple de Guinée ne voudrait pas une administration militarisée, comme en 2009 avec le commandant Moussa Dadis Camara et en 2010 avec le général Sékouba, où pratiquement tous les postes clés de l'administration publique, même dans les institutions nationales supérieures, étaient occupés par des porteurs de tenue. Le peuple de Guinée, dans sa grande majorité, à travers ses concertations, ont exprimé qu'ils souhaitaient avoir un gouvernement ou une administration qui devait rester civile. Et c'est pourquoi vous avez remarqué, après ces concertations, il y a une charte de la transition qui a été élaborée sur la base de l'ensemble des recueils des avis des citoyens. Un premier ministre a été nommé et un gouvernement à nombre réduit a été nommé. Nous sommes passés de 40 et quelques départements ministériels à 25 départements ministériels et 2 secrétariats généraux. Maintenant, vous remarquerez aussi que dans l'histoire de l'intervention de l'armée partout dans le monde entier et partout en Afrique, que c'est une première que des militaires puissent prendre le pouvoir et que l'ensemble des postes clés de l'administration publique puissent être confiés aux civils. Donc, après la mise en place du gouvernement, comme dans la charte, il y a un certain nombre de structures qui sont annoncées pour rendre la transition assez équilibrée. Il fallait mettre en place le Conseil national de la transition. Et comme nous, dans la charte, il est dit que c'est l'ensemble des forces de la nation qui devait constituer le Conseil national de la transition, à savoir les partis politiques, les associations, les organisations de la société civile, les organes socio-professionnels, les Guinéens de l'étranger, ainsi de suite.
Donc, nous avons, le gouvernement travaillé pour la mise en place de ce CNT. Et le CNT a été mis en place, sa mise en place a pris assez de retard à cause de l'incompréhension entre les acteurs qui devaient faire des désignations suivant le quota qui avait été annoncé dans la charte. Donc, à la mise en place de du CNT, pour nous, il était nécessaire désormais d'aller vers le processus de dialogue avec l'ensemble des composantes en action, notamment les forces vives, afin de pouvoir dérouler un agenda, d'abord élaborer un agenda de la transition et suivre sa mise en œuvre pour aboutir à l'élection d'un président de la République élu qui marquait la fin de la transition. Donc nous avons engagé des discussions avec l'ensemble des acteurs politiques, la société civile, des centrales syndicales, mais également des associations de presse. De discussion en discussion, nous sommes parvenus à la conclusion qu'il fallait mettre en place un cadre de dialogue qui prend en compte l'ensemble de ces acteurs. Élaborer ce projet de mise en place de ce cadre de dialogue. Et le 7 avril, le président de la transition a pris le décret de création de ce cadre de dialogue. Quand le cadre a été créé, nous avons invité l'ensemble des acteurs et les diplomates à travers le ministère des Affaires étrangères pour la session inaugurale. Au cours de cette session inaugurale, moi j'ai eu la charge au nom du gouvernement de présenter notre proposition d'agenda de la transition qui se résumait en 10 points. Et juste après la session inaugurale, nous avons transmis à l'ensemble des acteurs de la classe politique, de la société civile, des centrales syndicales et même aux diplomates ce projet d'agenda de la transition qui se résume en 10 activités. On a demandé à ces acteurs politiques, à la société civile, d'aller se prononcer d'abord sur le contenu de cet agenda de la transition, mais aussi sur les durées qu'ils peuvent affecter à chaque étape afin de parvenir à un consensus sur une durée de la transition. Donc un délai leur a été accordé et nous avons reçu sur 22 coalitions de partis politiques, nous avons reçu 19 qui ont amené leurs propositions et nous avons essayé de faire la synthèse de la proposition de la classe politique, de la société civile, des centrales syndicales. Pour toujours rester fidèles dans l'esprit de la discussion avec les acteurs, nous avons invité l'ensemble de ces acteurs à une rencontre de présentation de la synthèse de ces propositions. Donc lorsqu'ils ont été invités, nous avons présenté les actions où unanimement aucun acteur de la classe politique, de la société civile n'a recusé une seule action parmi les 10 actions qui sont prévues. Maintenant, sur les durées, les propositions sont partaient de 18 à 50 et quelques mois. Donc nous avons fait la compilation et nous avons transmis au CNRD, qui est l'instance suprême de décision et d'orientation politique pendant cette transition, qui a transmis à M. le Président, le colonel Marie Doumbouya, et lors de son allocution à Bofa, qui a, sous la base de nos recommandations, présenté comme 39 mois, comme durée qui nous permettrait de mettre en œuvre ces 10 actions pour un retour à l'ordre constitutionnel. Donc après cela, ce document a été transmis par le gouvernement au Conseil national de la transition, parce que nous sommes dans une transition, et le CNT reste l'organe législatif pendant cette transition. Donc quand ça a été envoyé, nous avons fait plusieurs passages devant ce CNT pour leur expliquer les raisons qui font notre choix sur les 39 mois. Et après, ils sont arrivés à la conclusion qu'ils estimaient que 36 mois étaient suffisants pour mettre en œuvre ces 10 actions. Vous avez le recensement général de la population et de l'habitat. Aujourd'hui, le dernier recensement que nous avons en Guinée, ça date de 2014. Mais ce recensement s'est passé dans des conditions que nous connaissons tous. Donc, aujourd'hui, il y a un besoin de réactualiser nos données en Guinée, savoir aujourd'hui, sur le territoire national, nous sommes combien de Guinéens dans les régions, dans les préfectures, dans les sous-préfectures, combien de Guinéens y vivent sur ces territoires, sur ces kilomètres carrés, afin de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer notre politique économique, notre politique sociale, nos apports en termes de développement. Quand je prends aujourd'hui une région comme Zérékoré, 6 préfectures, qui a une grande population, est-ce qu'aujourd'hui nous estimons qu'au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, est-ce suffisant d'avoir une seule université pour couvrir les besoins en termes de fréquentation de la région des Zérékoré? C'est les statistiques qui vont nous permettre, à l'issue du recensement général, de savoir qu'aujourd'hui, les réalités que nous avons nous permettent de le faire. Le deuxième point de cet agenda de la transition, c'est le recensement administratif à vocation d'état civil. Tout ce que nous avons connu dans notre pays ces 10 dernières années, comme manifestation, comme pillage, comme problème entre les Guinéens, résulte de la mauvaise gestion des processus électoraux que le pays a connus. Donc, pour nous permettre d'avoir des élections acceptées, apaisées, mais aussi des résultats consensuels qui marqueront la fin de cette transition, nous avons estimé qu'il fallait élaborer un nouveau fichier électoral. Lorsque vous révisionnez les vidéos lors des concertations nationales, quelques jours après la prise du pouvoir par le CNRD, vous remarquerez que toutes les composantes que nous avons rencontrées, les acteurs politiques, la société civile, les syndicats, tous ont estimé qu'il fallait aller vers un recensement de la population, mais également qu'il fallait aussi élaborer un fichier électoral pour nous éviter des conflits dans le futur. Donc, nous allons faire un recensement
administratif à vocation d'état civil qui a double avantage. Ça nous permettra désormais d'avoir des pièces d'état civil numérisées, l'extrait de naissance. Mais l'autre chose, à l'issue de ce travail de recensement administratif à vocation d'état civil, tous les Guinéens auront leur code identifiant unique comme dans tous les pays du monde. Donc ce recensement nous permettra non seulement de corriger ces lacunes, mais aussi de doter notre pays d'un fichier électoral irréprochable. L'autre chose que nous allons faire dedans, c'est qu'il y aura des serveurs au niveau de toutes les régions. Le fichier électoral sera décentralisé dans toutes les régions, de telle sorte que les acteurs en liste pour les élections peuvent à tout moment, dans n'importe quelle localité, apporter des griefs contre le fichier et les techniciens seront là pour apporter des corrections. Maintenant, à côté, comme le travail du CNT, l'un de ses rôles, c'est vraiment l'élaboration d'une nouvelle constitution et ils vont travailler sur le projet de nouvelle constitution. Maintenant, à l'issue de l'élaboration du fichier électoral, nous allons organiser les élections référendaires. C'est au cours de cette élection que le peuple de Guinée, dont vous aurez la possibilité de dire oui ou non à la nouvelle constitution que nous allons vous proposer, que nous voulons cette fois-ci une constitution assez contraignante vis-à-vis de l'exécutif pour ne plus permettre à un président d'utiliser la constitution comme son bon vouloir ou de changer les institutions comme il voudrait. Parce que si nous sommes arrivés au 5 septembre, c'est parce que certains fondamentaux de notre République ont été touchés. Donc, cette nouvelle constitution va être élaborée et le fichier électoral qui sera élaboré à l'issue du recensement administratif à vocation d'état civil, ce fichier permettra de faire, d'organiser les élections référendaires et ensuite de ces élections référendaires, nous allons élaborer l'ensemble des lois organiques au niveau du CNT qui sont pour permettre l'application de cette nouvelle constitution et progressivement mettre en place toutes les institutions qui vont être annoncées dans la nouvelle constitution, que ce soit la Cour des comptes, la Cour constitutionnelle. Toutes ces institutions, désormais, c'est la transition qui aura la charte de les installer. Parce qu'en 2010, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on était au niveau de la société civile, on mettait la pression qu'il fallait d'abord organiser toutes les élections avant d'arriver à la présidentielle. Les acteurs politiques pressés d'alors ont dit non, laissez-nous organiser les élections présidentielles. Quand nous allons être élus, nous allons faire le reste. Qu'est-ce qui s'est passé? Les élections législatives censées être organisées au mois de janvier 2011 n'ont été organisées qu'en 2013. Les élections locales censées être organisées au mois de mars 2011 ont été organisées qu'au mois de février 2018, donc 8 ans après. Et avec tous ces corollaires de pillage, de mort d'hommes dans les manifestations inutiles, on n'en a pas plus besoin. Aucun Guinéen désormais ne devra, pour des questions d'essence collective, ne devra être victime de quoi que ce soit. Comme le CNRD, l'ensemble des membres du gouvernement, des membres du Conseil national de la transition, nous ne sommes candidats à rien. Nous allons organiser la compétition entre les acteurs politiques qui sont candidats et organiser des élections justes et équitables afin que le peuple de Guinée puisse choisir à chaque élection les Guinéens capables de diriger leur destinée. Donc, une fois que ces élections référendaires sont organisées, les lois sont élaborées, nous allons organiser l'élection locale. Ces élections vont permettre d'élire les exécutifs communaux des communes urbaines et des communes rurales. À la suite de cela, comme notre code des collectivités dispose que 60 jours après l'installation des mairies au niveau des communes urbaines et des communes rurales, qu'on doit aller à l'élection du conseil régional. Mais pour le moment, nos lois disposent que ce sont ces élus au niveau des régions. Quand je prends Zéré-Corée, c'est l'ensemble des maires et des conseillers des communes urbaines, des préfectures qui relèvent de Zéré-Corée et des communes rurales de la région de Zéré-Corée qui vont se retrouver en votre nom, vous qui avez voté pour les faire conseils communaux, pour élire le haut conseil régional des collectivités. S'il n'y a pas de changement au niveau des lois, 60 jours après l'installation de ces maires, ceux-ci vont être appelés à se réunir pour élire le haut conseil régional des collectivités qui sera désormais un instrument de développement au niveau de la base. Donc, après ces élections locales et ces élections régionales, si à l'issue de ces élections, il y a des griefs qui ont été portés par telle ou telle politique sur le fichier, nous allons revenir pour apporter des corrections sur le fichier. L'action de décentraliser le fichier permettra de savoir exactement c'est où le problème, apporter des corrections. Et à l'issue de ces corrections, nous allons organiser les élections législatives. Après ces élections législatives, nous allons poursuivre la mise en place de toutes ces institutions que j'annonçais. Comme ça, le président qui sera élu dans le futur trouvera que la Cour constitutionnelle est installée, la Cour des comptes est installée, toutes les structures, les institutions sont installées. Donc, il n'a pas la possibilité de les changer à sa guise parce qu'ils sont mis là-bas pour un certain nombre de mandats. Il n'y a aucune possibilité pour un président, quelle que soit sa force, de pouvoir les changer et mettre des hommes qu'il peut manipuler à sa guise. Maintenant, nous allons organiser le premier tour des élections présidentielles. Si à l'issue du premier tour, un candidat a plus de 50% plus 1, il est déclaré vainqueur du scrutin. Si il n'y a pas de candidat ayant atteint la majorité, nous allons nous acheminer vers le deuxième tour qui sera organisé et le président qui sera élu à la majorité simple sera installé et ça sera la fin de la transition et le CNRD et son gouvernement se retireront
le président élu et son gouvernement vont continuer à travailler. Donc, pour terminer, voici entre autres le message que j'avais à donner. C'était le ministre Mori Kondé sur les étapes de la transition, les 36 mois, qu'est-ce qui sera fait. Bien avant lui, nous avons eu le ministre des Affaires étrangères qui nous a parlé des enjeux diplomatiques de la transition guinéenne. Je vous demande encore de les applaudir. À présent, nous donnons la parole aux étudiants et aux encadreurs pour être en contact direct avec les ministres de la République. C'est ça aussi l'une des innovations de la transition guinéenne. Pas de tabou entre gouvernants et gouvernés. Nous vous donnons la parole pour poser les questions de vos convenances aux différents ministres de la République qui sont sur ce plateau. Je suis docteur Mamadou Sounoussi Diallo. Eh bien, la pédagogie à laquelle vous vous êtes livré ce matin nous va droit au cœur puisque nous comprenons des choses qu'on n'avait pas compris auparavant. Et comme vous l'avez dit, nous sommes des acteurs à part entière de cette transition. Sa réussite, c'est la nôtre aussi. Bien. Et ça, dans la communication de M. le ministre de l'administration du territoire, et il a parlé des deadlines et des chronogrammes. Le consensus tourne autour des 36 mois et promulgué ou accepté par le Conseil national de la transition. Je voudrais juste savoir, quand commencent les 36 mois? Merci beaucoup, Sounoussi. Les 36 mois, c'est comme si je posais la question à une route que nous devons faire de Lola Yomou. On dit que la construction... Le délai pour la construction de la route, c'est de 12 mois. Les travaux n'ont pas encore démarré. Je pose la question. Depuis au moment qu'on avait dit qu'on va faire une route à Yomou, est-ce que les 12 mois commencent en ce moment ou les 12 mois, c'est à partir de la période de démarrage? Donc, les 36 mois, c'est à partir de la résolution que le Conseil national de la transition a adoptée. Guilavogui PP, contractuel à l'Université des Érucrés. J'aimerais savoir, après l'opération de récupération des biens de l'État, maintenant, il y a certaines parcelles qui ont été vendues par les anciennes autorités des différentes villes. Ceci, les pauvres citoyens ont construit des bâtiments dans ces domaines. Maintenant, comment vous allez récompenser les biens qui seront récupérés? Est-ce que vous allez les dédommager ou bien vous allez récupérer seulement leurs biens comme ça? Tout citoyen qui dispose d'un document d'achat signé par une autorité de maintenant ou antérieurement d'un domaine public de l'État, autant nous allons récupérer le domaine, le mettre dans le livre foncier de l'État, autant ce citoyen peut avoir le soutien de l'agence judiciaire de l'État pour trimballer cette autorité qui a revendu en justice pour récupérer. C'est très clair. Tous les cadres qui ont revendu des biens de l'État aux citoyens seront poursuivis. Il n'y a pas de demi-mesure. La preuve, vous avez vu que le gouverneur a déguerpi le marché des Érucrés. Les femmes qui ont été déguerpies au marché des Érucrés, la semaine dernière, avant l'arrivée des membres du gouvernement, j'étais venu ici à Érucrés. J'ai rencontré leur porte-parole. Ils ont fait une liste de 164 personnes qui ont été victimes. Les 164 personnes, le dossier a été transmis au procureur de la République des Érucrés, qui a donné à un juge qui a ouvert une information judiciaire contre le maire de la commune urbaine des Érucrés et d'autres autorités qui ont revendu. Ça ne restera pas impuni, les femmes. Chacun récupérera le montant qu'il a versé à ses autorités. Ça, c'est très clair. Je suis Mohamed Diabaté, journaliste à la radio Liberté FM. Moi, j'aimerais me baser exactement sur le gouvernement précédent. Je ne sais pas comment les agréments étaient distribués par les partis politiques jusqu'à aujourd'hui. Nous voyons un niveau de partis politiques qui dépasse même le nombre du peuple de Guinée. Donc, avec ça, quelle politique vous allez mettre en place pour que nous ayons un nombre restreint de partis politiques en République de Guinée? Merci beaucoup. En tant que ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, je précise qu'en Guinée, nous avons 185 partis politiques. Maintenant, ces partis politiques, nous, au niveau de l'État, on n'a aucune possibilité d'obliger tel ou tel parti politique de disparaître ou d'exister. Mais au regard de la loi, nous avons des mécanismes
que nous sommes en train de mettre en place. Maintenant, il reviendra au CNT de légiférer là-dessus, conformément aux lois et de trancher. Nous, au gouvernement, nous sommes en train d'engager des réformes. Ces réformes permettront de savoir qui est parti politique en Guinée, qui ne l'est pas. Mais pour le moment, c'est 185 partis politiques qui existent. Nous avons 185 interlocuteurs. C'est un peu ce que je peux donner comme réponse à cette question. Bien, peut-être la première étudiante. Ah, un garçon encore. Bonjour, je réponds au nom de Kamara Bakari, un étudiant de la licence de biologie. Je salue très cordialement la venue des ministres au sein de notre campus. La question que j'aimerais poser, on a entendu plusieurs projets de développement. On sait que un pays ne peut pas se développer sans la jeunesse. La jeunesse est le pilier du développement du pays. Donc, on veut savoir, qu'avez-vous envisagé pour la jeunesse guinéenne et pour le développement de la Guinée? Bien. Très simple. Merci beaucoup. Cette question transversale peut être répondue par le ministre des Affaires étrangères. Merci infiniment. Vous savez, s'il y a deux branches dans notre société que l'on manipule à souhait, ce sont les jeunes et les femmes. Chaque fois qu'il y a un événement politique, que ce soit un meeting, que ce soit des élections, on promet aux jeunes, on promet aux femmes, juste pour passer le cap. En disant, et la phrase la plus célèbre, c'est que les jeunes, vous êtes l'avenir. Mais quel jeune n'est pas l'avenir? Quand on est jeune, on est automatiquement l'avenir. On ne pose pas la bonne question. La bonne question, c'est quel avenir vous devriez être? C'est ça la question. Mais prendre tous les jeunes en disant, écoutez, je vais vous prendre, vous êtes des millions de Guinéens. Je vais vous trouver du travail pour tout le monde et puis je vais vous loger tous, c'est vous tromper. C'est vous tromper. Ce qu'il faut faire, c'est de créer les conditions générales d'existence pour que chacun puisse s'épanouir, se loger, manger, étudier. Et ensuite, essayer de créer des projets, essayer d'être recruté par l'administration si cela est possible, en fonction de sa propre formation. Donc, se mettre ici, parce que je sais qu'on l'a dit ici tout le temps, quand il y a les élections, les jeunes viennent, on dit, on va faire ça, c'est l'année des jeunes, c'est l'année des jeunes. Mais quand on a dit que c'est l'année des jeunes, 10 ans après, les jeunes n'ont rien eu, absolument rien. Vous n'avez rien. Donc ce qu'on va faire, ce que le colonel Mamadi veut faire, il veut créer un pays normal, c'est-à-dire que vous soyez comme les jeunes de la Côte d'Ivoire, que vous soyez comme les jeunes du Niger, que vous soyez comme les jeunes de la Corée du Sud. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont d'abord les routes. Quand ils veulent aller, ils peuvent étudier comme ils veulent. Ils peuvent aller à 100 km, aller prendre les cours et revenir chez eux parce que la route est bonne. Quand ils veulent aller sur Internet pour se mettre en contact avec le reste du monde, ils ont la 5G. Ils travaillent, ils étudient. Quand ils veulent prendre des cours à Londres, ils peuvent les prendre pour se former. Et quand ils ont besoin de se mettre en contact avec le reste du monde pour trouver du travail, ou en Guinée ou ailleurs, ils ont la possibilité de le faire. Ça, c'est un. Deuxièmement, comment pouvez-vous être libre? Comment pouvez-vous prétendre d'avoir à avoir du travail, à savoir quelque chose? Si vous n'avez même pas d'eau dans votre pompe, il n'y a même pas d'eau. On ne sait même pas boire. Regardez. Ouvrez les pompes, vous n'entendez rien. Les pompes à Guinée, quand vous les ouvrez, vous entendez... C'est fini. Mais c'est le béaba, c'est le point de départ de la vie. On ne l'a pas. Donc, c'est de la démagogie que de dire. Ce que le colonel veut faire, les universités, vous avez vu hier, on était à l'ERAM. L'ERAM, c'est l'école régionale des arts et métiers. Parce que dans nos pays,
On a créé des grands philosophes, des discutards, des discutailleurs. Et on a oublié de créer de la main d'œuvre. Le pays le plus fort en Europe, je prends l'exemple sur l'Europe, c'est l'Allemagne. Quand vous prenez les statistiques en Allemagne, vous avez moins de professeurs. Vous avez moins de politiciens. Mais en bas, vous avez beaucoup d'ingénieurs, vous avez beaucoup d'ouvriers, des plombiers, des électriciens, des peintres, des charpentiers. Ils ont créé ça. Et regardez, Zérékoré, beaucoup parmi vous veulent comme ça, par vocation, faire cela, quelque chose comme ça. Mais où ça se passe? Il n'y en a pas. Et donc, le colonel, il a décidé que l'ERAM qui est là, l'école régionale, soit terminée dans les 4 régions naturelles. Qu'on les termine et que, les ministres sont là, ils le savent, et que ceux qui veulent avoir une main, la dextérité, aient au moins la profession. Donc, ce n'est pas la bonne question. Qu'est-ce que vous voulez faire pour nous? Demandez-nous pour seulement, quelles conditions voulez-vous créer pour que nous puissions nous épanouir? Bonjour dans l'ensemble. Je reprends au nom de Diallo Ousseinat, je fais la licence 4 génie de l'environnement. L'université de Zérékoré étant la seule université de la Guinée qui a une faculté des sciences de l'environnement, quels sont les apports que le gouvernement peut aider à l'université de Zérékoré pour que quand les étudiants sortent d'ici, nous serons plus formés? En plus de cela aussi, quels peuvent être les apports de nous les étudiants de l'université de Zérékoré dans le cadre de la réussite de la transition? Merci pour votre question. Et comme l'a dit tout à l'heure, je paraphrase un peu ce qu'a dit Monsieur le ministre des AE. Faire des promesses, c'est se mentir soi-même. Nous sommes dans une transition. Comment l'université d'abord peut accompagner, en tant qu'étudiant, vous, comment vous pouvez accompagner la transition? Je vous l'ai dit le lundi quand je suis passée dans cette même salle. C'est d'abord d'être studieux. Un pays, pour son développement, a besoin de discipline et d'assiduité dans le travail. Tel est notre rôle en tant qu'universitaire et surtout vous en tant qu'étudiant. Par rapport à votre département, je l'ai annoncé il y a quelques jours, nous avons engagé au niveau du département de l'enseignement supérieur 2 programmes pour que pour la rentrée 2022-2023, ces programmes puissent voir jour au sein de nos institutions d'enseignement supérieur. Et le début de la semaine, je vous ai lancé ce défi dans la même salle, que l'université de Zérékoré puisse être la première université ou la seconde à être dans le programme pilote des 2 projets que nous portons aujourd'hui. Le premier projet, c'est le projet d'alternance. Je l'ai expliqué la dernière fois. C'est vous permettre en tant qu'étudiant aujourd'hui en situation de classe d'être confronté aux besoins des entreprises directement, d'être en relation avec les entreprises, de pouvoir passer dans les entreprises pour vous donner d'autres qualifications autres que la pédagogie que vous recevez à l'université. Ça, c'est le programme alternance. Le deuxième projet, c'est le projet de statut d'étudiant entrepreneur. Il a dit tout à l'heure, nous pouvons vous donner la formation intrinsèque, mais aussi, et au moment que vous êtes étudiant, vous pouvez vous préparer et sortir de l'université, comme le ministre Maury, avec un projet d'entreprise ou en tout cas par la mise en place d'une organisation. Nous voulons faire de l'éducation un tremplin pour le développement de notre pays à travers les réformes que nous sommes en train de mettre en place en synergie avec les autres départements de l'éducation. Je suis Yomba Diawara, étudiant en licence 3 génie de l'environnement. Qu'avez-vous prévu pour construire les dortoirs au sein de l'université de Zérékoré, qui est la plus environnementale des universités de Guinée? Ce que vous devez retenir, et je pense que votre recteur peut vous le confirmer, nous avons adressé des courriers à toutes les institutions d'enseignement supérieur. Votre recteur peut le confirmer, pour que tous les recteurs et directeurs généraux puissent nous transmettre au département les plans de développement et les plans d'action. Je pense que chose a été faite, l'université de Zérékoré a envoyé. Par rapport au volet investissement, nous avons aujourd'hui un plan engagé. Nous, en tant que ministre de la Transition, nous avons d'abord un devoir. Les universités aujourd'hui, dans plusieurs institutions d'enseignement supérieur, il y avait des bâtiments délabrés à 40% ou financés totalement, mais qui n'ont jamais vu le jour. On s'est donné pour objectif pendant cette année 2022 de pouvoir terminer toutes ces infrastructures pour offrir d'abord un cadre de vie attrayant, avant de passer aux nouvelles infrastructures. Bravo. Ça, il faut que vous le sachiez. C'est important.
parce que toute nouvelle infrastructure doit rentrer dans un plan de développement et inscrit à la loi de finances. Ça, c'est important de le savoir. Le ministre Mori, il a dit tout à l'heure quelque chose. Qu'au retour d'ici, avec les doléances formulées, je ne serai pas la seule à aller poser le problème de dortoir au chef de l'État. Moi, c'est Kumbasa Fatoumata, étudiante en aide de gestion des ressources naturelles. Madame la ministre de la Pêche, après la semaine d'immersion, peut-on s'attendre à l'ouverture des frigos de poissons dans les universités pour faciliter l'accès aux poissons pour les étudiants? Merci pour la question. C'est vrai que l'alimentation est plus importante. Il faut d'abord manger pour pouvoir bien étudier. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Il faudrait d'abord passer en fait par le ministère du commerce et de l'industrie. Parce que nous, moi, département de la pêche, je n'ai pas vocation à installer des frigos. Il y a des opérateurs qui sont là pour ça. Il y a des opérateurs de frigos qui sont là dans les régions. Mais c'est vrai que le constat a révélé que c'est insuffisant. C'est pour ça qu'à mon retour, je n'ai pas fait ce travail aussi seul. J'étais accompagnée de la ministre de l'enseignement supérieur et même le ministre de l'enseignement technique aussi, pour aller vraiment toucher ces réalités, faire le constat. On se rend compte que vraiment les frigos qui sont là sont insuffisants. Et c'est pour ça qu'à mon retour, on va faire aussi un plan d'action pour mettre en place des frigos dans toutes les régions, mais qu'on confierait à des groupements d'intérêt économique. Une dernière intervention avec un encadreur de l'université de Nzérékouré. Moi, je suis professeur Namoudou Kondé, enseignant-chercheur. Ma question, c'est au niveau de Monsieur Son Excellence, le ministre des Affaires étrangères. Je vous ai suivi une fois avec les diplomates, donner une explication, je l'ai bien compris. Mais au sein de la jeunesse, il y a polémique et ça peut être tendance, ça peut avoir tendance à une intoxication. Alors, le débat c'était quoi? Nous allons faire un sale boulot. J'ai l'impression que la jeunesse n'a pas bien suivi et ne comprend pas tellement. Je voudrais, devant cette jeunesse-là, que vous essayiez de leur expliquer qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que vous voulez dire. Un sale boulot, vous allez faire. Merci. Je vais vous expliquer. Vous êtes en train de dire que vous m'avez entendu parler du mot, du concept sale boulot. Il faut bien le prononcer que les gens comprennent. Sale boulot. Ou dans la transition, nous allons changer ce pays. Ceux qui ont volé vont rendre l'argent. Ceux qui ont occupé illégalement vont quitter. Ceux qui ont été emprisonnés, on les sort. Ceux qui ont été emprisonnés à tort, on les sort. Tout ce que les autres ont refusé de faire, nous allons le faire pour mettre ce pays sur la bonne voie. Nous allons faire le sale boulot. Dès que le président a dit ça, paf, buzz. Voilà, il fait le sale boulot. Sale boulot parce qu'il veut tuer peut-être les gens. Sale boulot parce qu'il veut faire ça. Sale boulot. Ce qui est grave, c'est que le paysan de Banama, lui ne connaît pas, il n'a pas dit. Ce sont des gens qui sont censés sortir des écoles comme la vôtre, comme votre, qui ont pris ça pour le pervertir. C'est pourquoi j'ai profité, j'ai vu qu'ils ont attaqué tellement à tort le président. Or, la fonction de président, elle est délicate, elle est difficile. Vous ne pouvez pas répondre aux gens. Même si vous avez raison, en tant que président, vous ne pouvez pas. Même si on ment sur vous, vous ne pouvez pas. J'ai vu que le président est attaqué à tort. J'ai dit, j'ai profité pour dire, sale boulot. En fait, allez voir tous vos dictionnaires, allez voir Littré, allez voir Larousse, allez voir tout. Wikipédia, sale boulot, c'est la partie de la tâche que personne ne veut faire parce que c'est difficile. C'est ça.
Si demain matin, vous décidez ici que vos caniveaux là sont trop sales, que vous allez les curer vous-même, ce n'est pas votre rôle, vous devez avoir des machines. Mais vous dites, on n'a pas de machine, on va le faire nous-mêmes. Certains d'entre vous vont dire quoi, moi ? Donc tu as ça, non, je ne suis pas là pour ça, moi. Je connais. D'autres vont dire, quoi dans la main ? Mais il ne peut pas chercher quelqu'un pour faire ça. Et puis il y a quelqu'un parmi vous, deux, trois, quatre, cinq, qui disent, écoutez, ça, si on fait ça, on libère notre université. Comme tout le monde refuse de le faire, nous allons le faire. Ce n'est pas notre travail. C'est difficile, c'est compliqué, c'est sale. Mais nous allons le faire pour le bien de notre université. C'est ça, faire le sale boulot. Donc, quand le président dit, nous allons faire le sale boulot, c'est ce qu'ils sont en train de faire là, c'est ce que nous sommes tous en train de faire. Le sale boulot. Vous avez vu? Dire à celui qui a volé l'argent de rembourser l'argent. S'il refuse, allez mettre la main dans sa poche pour retirer l'argent du pays pour le mettre dans la poche du peuple. C'est ça le sale boulot. Ceux qui ont vendu ce... Écoutez bien. Suivez. Ceux qui ont signé des contrats ici, en votre nom, pour exploiter des minerais, des mines de la Guinée. Dans ces contrats, pendant 30 ans, la Guinée n'avait pas un copec, n'aurait pas eu un rond. Dans ce contrat, Simandou, le fer, le plus grand gisement du monde, le fer, il est là. L'accord cadre. Ils ont signé et ils ont dit, les gens qui sont venus, les entreprises leur ont dit, pendant 30 ans, vous ne touchez pas à un rond. Ils ont dit, d'accord. Mais ils ont touché à un rond. Sauf qu'ils n'étaient pas en haut, ils étaient en bas. Ensuite, ils ont dit, nous allons prendre votre fer, nous allons le faire circuler jusqu'au port de Conakry, avec des rails que nous allons mettre ici, mais personne ne montera sur nos rails, d'ici jusqu'à Conakry, sauf nous, notre société. Ils ont dit, oui, d'accord, oui, monsieur, on est d'accord. Ils ont signé. Ils ont dit, si vous avez un autre projet à côté de ces rails-là, à Kissidougou, à Djekidou, à Béla, à côté de nous, si vous voulez évacuer du riz, du palme et tout, ça ne monte pas sur ces rails, hein. Ça c'est pour nos minerais. Oui, monsieur, on est d'accord. Après, on dit, mais toute cette compagnie qu'on a créée là, la Guinée veut être membre au moins, une part de la Guinée. Ils ont dit non, puisque ça vous appartient, vous ne pouvez pas être parti. Ça, vous êtes les propriétaires, mais vous ne pouvez pas être dans la société. Oui, monsieur, on est d'accord. Ils ont signé. Pendant 35 ans, personne n'aurait vu un franc du Simandou. Entre-temps, l'argent serait parti devant vous, sous votre nez, devant votre université. Votre université n'aurait jamais changé. Rien. Le président dit, je refuse. Tout ce qu'ils ont signé là, moi j'ai dit en prenant le pouvoir que je respecte tout. Tout ce que la Guinée a signé, je respecte. Mais ne soyons pas naïfs. Quand je dis que je respecte tout, je ne peux pas respecter la clause qui dit qu'on va m'égorger. C'est ça aussi. Oui, je respecte tout. Et entre-temps, on voit qu'il y a une clause qui dit qu'on va te tuer, on va te prendre tout ton argent, tu ne peux pas. Tu dis oui, je vais respecter. Non. Nous allons renégocier. Parce que ça nous appartient. C'est ça que nous appelons et c'est ça que le président appelle le sale boulot. C'est ça. Donc, monsieur, ça n'avait pas lieu d'être une polémique, mais c'est de bonne guerre. Il y en a qui ne veulent pas que ça marche. Mais vous, les jeunes, vous voulez que ça marche. Ça marchera, oui ou non ? La Guinée marchera avec vous, oui ou non ? Oui ! Merci, voilà. Monsieur le ministre. Le ministre de l'administration du territoire veut ajouter. Oui. La question liée au sale boulot, je pense que c'est simple.
c'est des décisions impopulaires. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Si demain je devais venir à Zérékoré pour demander aux populations au sud de voter pour mon parti politique, je ne vais jamais oser envoyer le préfet pour aller déloger les personnes qui sont là-bas, parce que c'est impopulaire. Donc, il faut une transition, il faut des personnes qui ne sont intéressées ou concernées à rien pour prendre ces décisions impopulaires et les exécuter. C'est ce qu'on appelle le sale boulot. Un travail que personne n'osera faire, un travail dont le résultat est bon, mais le faire est impopulaire. Ces femmes au marché qui ont été déguerpies. Lorsqu'un maire qui doit venir demander à ses femmes « Votez pour moi pour ces prochaines élections », il est actuellement maire et il veut se faire réélire, il ne peut pas oser venir dire à ses femmes « Vous êtes sur la route, dégagez ». C'est ça le sale boulot. Demain après demain, nous avons aujourd'hui des politiques, des hommes qui ont géré ce pays, qui sont en train d'être appelés devant la Cour de répression des infractions économiques et financières. Mais parmi eux, vous avez des personnes qui peuvent être des cousins à moi, des frères à moi. Nous venons des mêmes préfectures, des mêmes régions. Si j'étais un homme politique qui a des aspirations politiques, qui doit venir avec un parti politique pour demander le suffrage des populations de cette région, je ne peux pas oser, quelles que soient les fautes ou les erreurs qu'ils ont commises, dire qu'il faut les poursuivre, parce qu'en le faisant, je perds tout de suite l'électorat que je dois avoir. Mais comme nous ne sommes candidats à rien, le sale boulot sera fait pour que le peuple de Guinée puisse récupérer ce qui appartient. Sale boulot en un mot, c'est des décisions impopulaires. Des décisions qui sont bien pour le pays, mais dans la masse qui ne puisse pas avoir, qui ne puisse pas être supportée pour un début. Merci. Merci donc, merci Dr. Maurice Nda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères. Merci Maurice Kouandé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. C'était donc le numéro 1 de votre désormais émission, le dossier de la semaine qui se trouve aujourd'hui dans l'enceinte de l'Université de Nzérékoré. Les thèmes du jour, les enjeux diplomatiques de la transition guinéenne et les étapes des 36 mois de la transition pour le retour à l'ordre constitutionnel. Merci donc à l'encadrement, à la direction de l'Université de Nzérékoré. Merci à ces braves étudiants. Merci surtout de la pertinence des questions. La Guinée appartient aux Guinéens et la Guinée ne sera que ce qu'auront voulu en faire ses propres fils. Je vous demande d'applaudir les ministres de la République, Maurice Kouandé et Dr. Maurice Nda Kouyaté. Merci et à la prochaine.